coup d'État au Burkina Faso, 6 militaires du GIGN envoyés pour assurer la protection de l'ambassade française et de l'ambassadeur Luc Allade. Quelques dizaines de manifestants soutenant le capitaine Ibrahim Traoré se sont rassemblés devant l'ambassade française dimanche, mettant le feu à des barrières et jetant des pierres à l'intérieur du bâtiment. Ces militaires du GIGN, l'unité d'élite de la gendarmerie nationale, ont été envoyés au Burkina Faso jeudi 6 octobre pour assurer la protection de l'ambassade française et de l'ambassadeur Luc Allade. A-t-on appris par France Info des sources proches du dossier? Cette décision intervient quelques jours après des manifestations anti-françaises à Ouagadougou, capitale du pays Burkina Faso. Le 2 octobre, deux jours après l'annonce de la destitution du chef de la junte au pouvoir, quelques dizaines de manifestants soutenant Ibrahim Traoré se sont rassemblés devant la représentation française, mettant le feu à des barrières de protection et jetant des pierres à l'intérieur du bâtiment sur le toit duquel étaient positionnés des soldats français. D'autres institutions françaises ont aussi été prises pour cible par des manifestants. Un incendie s'est déclaré devant l'Institut français à Ouagadougou, un autre devant l'Institut français à Bobo-Dioulasso. Lors d'un point de presse jeudi, le ministre des Affaires étrangères a affirmé continuer à suivre très attentivement la situation au Burkina Faso. La priorité reste la sécurité de nos ressortissants et de nos emprises diplomatiques. Eh bien les amis, ça serait tout pour cette petite note d'information. N'hésitez pas surtout de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour rester connecté à la une des informations en Afrique et le monde en continu. À très bientôt pour nos prochaines publications.